Eh bien bonjour tout le monde, c'est Nicolas, aujourd'hui on va tester des jeux. Alors, non, ça on les a déjà fait. D'ailleurs je sais même pas pourquoi je les ai pas supprimés. Hop, casse-toi. Toi aussi, casse-toi. Et on va jouer à Earthbound. Bah oui, on commence sur du lourd. Surtout que j'ai jamais joué au jeu original. Même sur émulateur, hein, j'ai jamais joué. J'ai juste vu des let's play et c'est tout. Oh putain, je pénètre mon chien. C'est très classe. Franchement, c'est bien fait, je trouve. C'est qu'une basique démo, vraiment. Est-ce que le jeu sera fini? Probablement pas. Bon. J'ai quand même envie de... Quand même. Ça m'intéresse de voir tout ce qu'il a programmé. Ah oui, quand même, il a fait pas mal de choses. Hein. On va quand même voir tout ce qu'il a fait. Au revoir à la maison, je quitte les limitations de la map. Attendez, je vais voir, est-ce qu'on peut entrer dans la maison? D'accord, on peut pas rentrer, il y a un... Fait chier. Bon. Et ben, Earthbound, c'est terminé pour aujourd'hui. Super let's play, hein. Zelda, vue FPS. It's dangerous to alone. Aïe. Aïe. Bon, ok, on... Ouf. C'est que ça, mais c'est quand même énorme. What the fuck? Ah. Oh putain, c'est énorme. F0. Oh putain. Par contre la musique elle est très classe. Hein. Par contre je me demande comment ils ont géré la vitesse. Parce que putain c'est énorme. Hein. C'est juste énorme, putain. Oh là 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 là. Et en plus, on est au max. Putain. Mais c'est ouf. Mon Dieu. Mais c'est énorme. Franchement, respect. Mais ce n'est pas fini pour Earthbound, pour F0, parce qu'on a le F0 1.1. Qui est toujours un aussi gros bordel.
Ok, on en a fini pour F0, alors maintenant on va faire Kirby. Juste Kirby. Ouais, et on peut juste avancer et sauter avec Kirby, hein. Rien d'autre. Mais bon, c'est déjà quand même énorme qu'on puisse avoir Kirby, je trouve. Et c'est fini. Non, c'est vraiment fini. Il n'y a pas de suite. Enfin, si, mais on s'en tape. Ouf. Voilà. C'était Kirby. Parce qu'il y a un jeu plutôt long. Bon, on a le Mario Kart 1.1 qu'on va faire après, en dernier même. Ocarina of Time Simulator. C'était bien. Oh, attendez. Attendez. Oh putain de merde. Bon déjà on peut avoir plusieurs Link, étonnamment. Mon dieu mais c'est tellement classe. Ah. Ok. J'aurais pu faire le thème d'un boss. Alors. qu'est-ce qu'on a d'autre à faire? Paper Mario Engine, effectivement. Oui, Paper Mario. Bah oui. Alors. Déjà, on a les points de Mario. Hein, ça, c'est bien. Flip. On est dans Super Paper Mario, motherfucker. Waouh! Putain, mais c'est le meilleur jeu du monde. Mais c'est vraiment bien fait par contre. De la 3D, 2D comme dans le vrai jeu, c'est énorme.
D'ailleurs, Super Paper Mario, il est quand même grave sous-coté, il mérite son remake. Hein. Ou même Paper Mario 1 et 2 aussi, il mérite leur remake. Mais bon. Tout ça pour. C'est énorme quand même. Le mec s'est fait chier à faire tout ça juste pour une plateforme à la base. Pour une plateforme, il s'est fait chier pour tout ça. C'est juste énorme. Hein. Et dites-vous que pour des vrais jeux vidéo, c'est pire, hein. Donc, si un jeu pue la merde, bah, vous pouvez le dire, mais quand même, regardez tout ce qu'on peut voir dans les programmations de jeux vidéo, hein. Il peut vraiment y avoir des choses comme ça. Sauf quand c'est du FIFA. Là, c'est de la merde. Et Mario Kart, et on va. Allez. Allez, on joue avec Yoshi. Oh, buzzer. Ok, il reste encore un tour. Ouais. Et ben attendez, on va y retourner, mais pas pour jouer, même si j'aimerais. Mais non, 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 j'ai la flemme d'y rejouer. Mais pour voir, ben. Putain. Eh bien, ouais. Ça fait pas mal de jeux. Et allez. J'aurais préféré qu'on attende qu'on termine tous les jeux, mais allez, vu qu'on est à la moitié. De la programmation qu'il nous reste à faire, hein. On est clairement à la moitié, il nous reste encore 3 jeux à faire, alors allez, on va les tester. Par contre, pour le chat et la souris, ça, je vais devoir me démerder tout seul, parce que je suis pas d'amis, et j'ai gagné. Waouh, personne ne s'y attendait, hein. On roule là, j'ai oublié comment on y joue celui-là. Bon déjà oui la programmation, regardez, c'est moi qui ai programmé tout ça. De toute façon vous le savez, hein, vous avez vu le let's play. Vous l'avez vu, hein? Putain, mais c'est vrai que c'est un beau bordel, hein. Ah oui, c'est vrai. Ah non merde, c'est avec celui de gauche. Oui. Putain, est-ce compliqué leur merde, hein? C'est mon jeu et j'y galère. J'imagine pas From Software à chaque fois qu'ils sortent un nouveau Souls, ou même pour Sekiro. Bon, c'est bon, vous pouvez me dire d'aller me barrer. Alors, offensive cosmique. Ah oui, j'ai laissé ce dessin de merde. J'ai oublié de l'effacer. Bah, de toute façon, j'étais en vidéo quand c'était le cas, alors bon. Alors. Ok. Alors le dernier parcours périlleux, et ben on va vraiment le faire cette fois-ci.
J'aurais peut-être dû changer la musique, honnêtement. Mais bon, elle est sympa comme ça, alors on la garde. Oh mon Dieu, c'est horrible. Merde, non. Je veux finir le jeu pour de vrai. Alors. Eh merde. Ok. D'accord, donc il n'y en a pas d'autres qui apparaissent. C'est bien. On l'a bien programmé, notre jeu. Et la programmation, eh ben, même si on le sait, hein, parce qu'on l'a fait il n'y a pas longtemps, eh ben, on la re-regarde quand même un peu. On peut se mettre très proche hein, si on veut. Allez. Et bien du coup voilà. Si cette vidéo de l'atelier du jeu vidéo vous a plu, je vous invite à liker, commenter, partager et surtout à vous abonner. Sur ce, c'était les Mikoupa. Et puis moi je vous dis au revoir tout le monde.